Je vous invite à venir prendre une profonde inspiration en gonflant votre ventre, votre abdomen, puis à expirer, souffler, relâcher. Connectez-vous à l'air qui entre à l'intérieur de votre corps, un air neuf, vivifiant, ainsi qu'à l'air qui sort de votre corps lorsque vous expirez. Et je vais également invoquer vos guides, vos alliés spirituels, vos animaux de totem, toutes les parties mystiques de votre être à venir vous rejoindre afin de vous guider et de vous accompagner lors de ce voyage d'âme. En fait, j'ai vraiment choisi de venir ici pour clôturer un cycle des 6 dernières années, depuis mes 30 ans, où j'ai vraiment entamé un chemin de renaissance et où là, ça y est, je me sens prête à démarrer une nouvelle vie, rien que pour moi et que je décide pour moi-même. L'immersion de Jonathan et Mélodie pour vraiment renaître, rechercher au fond de moi ce que j'avais besoin de libérer. Je repars dans un état plus apaisé, plus recentré sur moi-même, aligné avec mes émotions, mes envies. Je repars serein, quête de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Vraiment aligné avec moi-même, avec mes ressentis et qui combine mes émotions. Ouais.
place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. C'est un atelier qui s'appelle la cartographie mentale et même un enfant peut le faire. Moi, ce que j'aime dans mon approche, pour moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que j'aime les choses simples mais très très efficaces. J'aime pas aller par 5-4 chemins, ça me fatigue. C'est-à-dire que j'aime bien parler, mais si on utilise de l'énergie, il faut que ça soit efficace. C'est pas très important en fait. C'est vraiment toujours notre pouvoir, il est dans notre intention. Si chaque matin je me lève et que je pose une intention sur quelque chose que je veux réaliser, que je veux vivre, que je veux faire, que je veux voir, la vie me l'amène, si c'est vraiment pour moi. Je peux vous garantir que dans ma propre expérience, tous les jours je vis des choses comme ça et depuis longtemps, et tous vous avez déjà vécu des choses comme ça. Quand on veut vraiment quelque chose au plus profond de nous-mêmes, il y a des choses qui se réalisent. On ne sait pas comment, des fois, c'est là. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on voit vraiment si on a confiance en nous, si on a cette foi et si vraiment on veut ça au plus profond de nous-mêmes. Des fois, ça peut être une maison, des fois, ça peut être absolument être avec quelqu'un, des fois, ça peut être quoi que ce soit. D'être la personne qu'on a envie d'être, sans être jugé, regardé, épié, critiqué. La santé, c'est ça. Fierté d'avoir amélioré ma relation avec ma fille. Et ça c'est un super point parce qu'en fait, à chaque retraite, c'est en noir. En fait, c'est dans les points négatifs, à chaque retraite, ce qui ressort, c'est que je dois améliorer la relation avec ma fille. Et c'est la première fois que je peux dire que je suis contente. Je suis venu chercher du calme et de la relaxation. Je ne suis pas forcément quelqu'un de très connecté à tout ça. Donc, je suis venu aussi ici pour la découverte et être surpris. Et cela a été le cas. Donc, je repars avec des souvenirs, des moments, beaucoup de moments de rigolade. Et puis aussi des moments très forts que nous avons vécu ensemble. Mais c'est très bien car ça n'a pas été trop lourd, on a fait aussi d'autres choses, donc que des bons points et que des bons souvenirs. Thank you.
Chose, je suis venue, c'est un cadeau de la vie et je suis venue là sans attente et en fait c'est magique parce que j'ai reçu plein de belles choses et je me suis autorisée à aller voir des espaces absolument magnifiques. Je repars avec une ouverture de cœur absolument waouh. L'atelier de la séance de Kundalini et la cérémonie cacao, elles ont été tellement puissantes que là, je sens que ça s'est ouvert ici et je me suis autorisée à aller voir des nouveaux espaces à l'intérieur et je me sens super bien en fait. Ouais. Je repars du coup avec une sensation d'apaisement, des belles rencontres, un lieu quand même plutôt atypique,
un groupe bienveillant et accueillant. Alors ici, je suis venu chercher d'une part la sérénité, le bien-être et la découverte surtout, car c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Je suis aussi venu chercher des réponses sur moi-même, voir qui j'étais vraiment, car on se perd parfois dans toute cette société, c'est parfois difficile, et prendre un peu le temps pour soi, et surtout dans un décor comme ici, c'est magnifique et ça permet de se poser des questions et peut-être d'avoir les réponses. Je repars avec énormément de sérénité, avec des coups de soleil, parce qu'il fait, même s'il fait nuageux, il fait très très beau quand même. Je repars avec beaucoup d'apaisement, je repars avec beaucoup de choses en moi, de très belles rencontres. Je repars aussi là avec la satisfaction d'avoir participé à tout ça. Tout ça a été également organisé par Mélo et John, qui sont vraiment des personnes en or. Et c'est très agréable d'être accompagné par eux, ils sont très rassurants, surtout quand on ne connaît pas ce milieu-là. Et vraiment, je repars avec que des bonnes choses et je suis très heureux d'être venu ici. J'ai envie de dire, quand il y a vraiment l'amour, quand il y a quelque chose de plus fort, l'amour est plus fort que tout. Et s'il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie de laisser dans ce monde, c'est que là où il y a l'amour, vraiment, on peut tout transcender, on peut tout dépasser, on peut tout accepter et on peut se réparer. Et à travers tout ce que l'on fait ici, dans ces événements, avec les gens, à travers l'étincelle qu'on a créée aussi, cette école de la réalisation de soi, c'est tout part d'une étincelle. Avec nous, ensemble, avec les amitiés. Et j'ai juste envie de dire merci. Merci à toi. Merci à Eddie qui capture ces moments. Merci à toutes les personnes qu'on rencontre dans ce monde et tous ces événements que l'on vit. Parce que comme on l'a dit encore ici, c'est ces événements qui nous permettent de nous souvenir, nous rappeler de ce que l'on est, cette source d'énergie d'amour en fait.
qui nous, on est heureux, on est accompli quand on se sent aimé, quand on se sent soutenu. Et je crois profondément qu'on est tous différents, mais finalement qu'on est aussi tous pareils. Et qu'on a tous à cœur au fond de nous-mêmes d'apporter quelque chose, de contribuer, d'amener, de ressentir cet amour. Et gratitude, on vient de vivre 5 jours ici, magnifiques encore une fois au Samadhi Camp, à cœur ouvert. Et cette année, c'est une année de plein d'événements, plein de rencontres. Merci à tous les visages, à tous les sourires. Et voilà, je te laisse la parole. Pour te ramener. Simplement en disant que la foi nous aide, la foi nous guide et la foi nous sauve. Et que l'amour est vraiment le sentiment le plus puissant qu'il peut y avoir. Et de vraiment toujours écouter ce qu'il y a là. Merci. Merci à toi.